Joie et paix à toute la terre et ses habitants. Recevons la parole de Dieu avec les révérends pasteurs Kilouba ou Kilouba. Que Dieu vous bénisse. Très chers auditeurs en ligne, très chers auditeurs qui nous suivez par des radios périphériques de vos villes respectives, voulons vous saluer au nom de la gloire. Voulons vous saluer au nom de celui que les quatre êtres vivants proclament. Ils sont tellement subjugués par ce qu'il est, par sa perfection, hors du commun. Et ils ne cessent de dire à l'intention de l'univers, dites ce qu'il est. L'intention de l'univers, visible et invisible, vous allez expérimenter ce qu'il est. Ne cesse de dire saint, 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 et l'éternel, et il est parfait. Et j'aime bien la proclamation par les quatre êtres vivants de sa perfection invisible. Il est parfait. Elle sait faire des choses parfaites. Proclame ce qu'il est. Proclame ce qu'il est. Comme les quatre êtres vivants. Proclame sa sainteté éternelle. Saint, saint, saint et l'éternel. Dieu des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. De ce qu'il est. Et j'aimerais que vos villes soient remplies de ce qu'il est. C'est qu'il est une source. Les quatre qui étaient vivants ne cessent de dire qu'il est saint. C'est une nature que les démons ne supportent pas. Faites trembler les démons par ce qu'il est. Hey, hey. Si la maison céleste était embranlée dans ses fondements à cause de la proclamation de ce qu'il est. Dans sa sainteté, dans ses perfections. Que dire des habitants de la terre? Ils seront ébranlés si vous proclamez ce qu'il est. Vous proclamez sa sainteté, ses perfections. Jésus commence son ministère public par la proclamation, non pas par les anges, mais par les démons. Il entre dans une synagogue à Capernaum. Les démons proclament ce qu'il est, tout en fuyant ce qu'il est. Nous te connaissons, tu es le Saint de Dieu. Hé, hé, hé. Les saints, 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 l'éternel, ils ont été ébranlés par ce qu'il est. Je pense au péché ténace, ténace de la langue, nous dit Jacques le pasteur. On ne sait pas réprimer la langue, mais ce péché ténace avait été ébranlé par sa sainteté. Dès que le prophète Esaïe le voit et il entend la proclamation de sa sainteté, dit malheur à moi, je suis cet homme dont les lèvres sont impures, soyez purifiés par ce qu'il est. Vous-même, comment Dieu avait purifié la terre sur laquelle Moïse était debout, et bien sûr que tu étais saint. C'est par sa sainteté. Il est parfait. Les quatre êtres vivants prennent soin de proclamer. Nous proclamons ce qu'il est. Cela aura des répercussions dans le monde des êtres. Ils vont craindre, ils vont fuir. Ils vont tomber. Et Jésus arrive à Capernaum. Puisqu'il était selon celui qui est. Quand Jésus, on l'envoie dans le monde, on l'envoie avec la sainteté de son Père. C'est Jésus qui l'a dit. Vous dites qu'il blasphème, c'est lui que le Père a sanctifié, envoyé dans le monde. Il a été envoyé avec la perfection de son Père. Il était saint. Les mystères que lui-même annonce. Vous dites que j'ai blasphème. Dites à celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde. Ils ont proclamé ses perfections. Et continue à les faire jusqu'aujourd'hui dans le monde des anges. Les quatre êtres vivants proclament ce qu'il est. Saint, saint, saint et l'éternel. Dieu des armées.
toute la terre est pleine de sa gloire, de ce qu'il est. Il est. Et les cieux des cieux ne peuvent me contenir. Quelle maison allez-vous bâtir pour moi? Où irai-je loin de cette personne? Il est omniprésent. Ce n'est pas Jésus qui me contredirait. Quand il est mort, il est allé dans le séjour des morts. Là, il y avait les démons qui les terrorisaient. Mais son père y était. Je voyais le Seigneur à ma droite afin que je ne sois pas embranlé. Il sait embranler ce qui vous embranle. Il était là. J'aimerais qu'il soit avec vous d'une manière vivante, non pas d'une manière historique. Les démons sont très sensibles à sa présence. Ça ne les arrange pas du tout. Ils ne peuvent pas s'accommoder avec la présence de celui qui est Saint, Saint l'Éternel. Proclamé par les quatre êtres vivants. Je vous ai salué au nom de sa sainteté. Il est saint. Soyez saint comme celui qui vous a appelé est saint. Il est saint. Il est parfait. Et sa sainteté, ses perfections sont célébrées. Je pense aux choristes de la terre. Célébrez-les. Célébrez sa sainteté. J'aime bien le psaume 150. Célébrez pour l'immensité de sa grandeur. Et moi, je vous dis, célébrez-les pour l'immensité de sa sainteté. La psaume 150 nous recommande à ce que nous puissions les célébrer pour l'immensité de sa grandeur. Mais dans Ésaïe chapitre 6, les quatre êtres vivants les célèbrent pour l'immensité de ça. Ils ne savaient pas multiplier par combien sa sainteté. Ils se sont limités à trois, la perfection. Saint, Saint, Saint et l'Éternel. Il est célèbre. Il est loué pour sa sainteté. Il louait pour la grandeur, pour l'immensité de sa grandeur. Et moi, je vous dis, louez-le. Louez-le pour l'immensité de sa sainteté, de ses perfections. Louez-le. Je sais pourquoi je vous l'ai dit. Louez-le. Louez-le pour l'immensité de sa sainteté, de ses perfections, de son excellence. Si les quatre êtres vivants les font, j'aimerais que l'Église puisse les louer pour l'immensité de sa sainteté. Et s'il y a des effets immédiats à la suite de cette louange de sa sainteté, il est temps que les filles embranlées dans ses fonds. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans la synagogue de Capernaum lorsque, messieurs, la sainteté a pénétré. Je crois qu'il est accompagné par ce qu'il est loué dans le monde invisible. Et cela avait provoqué la panique des démons qui se sont mis au diapason de la louange céleste. Nous te connaissons, tu es le Saint, tu es le Saint. Et aussi proclame, il y proclame sa sainteté. J'ai dit aux gens, si vous n'êtes pas saint, ne menacez pas les démons, puisqu'ils ne fuiront pas, vont vous faire du mal. Mais ici, Jésus les a menacés puisqu'il était saint. On ne sait pas ce qui s'est passé dans la... Mais tout ce qu'on sait, que les démons étaient terrorisés par la personne de celui, de celle qu'on loue, qui est assis sur le trône. Alléluia. Le trône est très élevé. Et les pans de sa robe remplissent toute la maison céleste. Et dit le fondement du temple fut embranlé dans ses fondements à cause de la célébration de l'immensité de sa sainteté. Et je pense à Paul et Silas. Non simplement ils ont prié, mais ils ont loué. Et je l'avais embranlé la prison. Les chaînes sont tombées. Vous pouvez vaincre par la louange. Vous proclamez ce qu'il est. Le message que je vais partager avec vous qui me suivez en ligne aujourd'hui, c'est un sujet qui s'intitule Son Excellence créa l'excellence. Alléluia. 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 Son excellence créa l'excellence. Faut pas dire qu'il m'avait nous épater avec ses phrases. Je ne fais que ressortir les pensées
qui sont dans les Écritures pour notre instruction. Alléluia. Voilà le sujet d'aujourd'hui. Son excellence. Créa l'excellence. Ah ça, ça c'est faux ça. Les médiocres créent que la médiocrité. C'est ça, c'est comme ça. Si vous avez un dirigeant médiocre, il vous conduira dans la médiocrité. Mais Dieu soit loué pour celui qui assis sur le trône est très élevé. Il n'est pas médiocre, il est excellent. Alléluia. Saint, saint, saint. Et l'éternel. Voilà celui qui est sur le trône est très élevé. J'appelle cela la magistrature suprême. On a besoin de ceux qui se dirigent, qui sont appelés à diriger les autres. Avoir une conduite comme des dirigeants célestes. Son entourage, l'esprit de nuages, pour voir s'il y a quelque chose à lui reprocher sur son trône. Mais il n'y en a pas. Au contraire, il s'exclame, Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Il est Saint. Est-ce que votre entourage peut prendre témoignage de ce que vous êtes? Ils sont dans votre secret. Ils savent ce que tu fais. Parfois, ils participent à tes magouilles. Mais l'entourage immédiat de l'Éternel est épaté par ce qu'il est. Il est excellent. Il est parfait. C'est que vous appelez qu'il est saint. Et Lucifer ne me dirait pas le contraire de ce que je prêche aujourd'hui à la terre. Il dira amen à mes messages. Même s'il le dira contre cœur, mais sera obligé de le dire comme ses collaborateurs étaient obligés de dire qu'il était saint. C'est un esprit impie qui a crié. Nous te connaissons que tu es le saint de Dieu. Lucifer ne me contredirait pas que son excellence avait créé l'excellence. Alléluia et alléluia. Puisque Lucifer est une émanation de son excellence. Écoutez-moi bien, habitants de la terre. Laisse-moi un peu lire dans Ézéchiel chapitre 28. C'est pourquoi j'ai parlé. Son excellence créa l'excellence. C'est lui-même qui rend ce témoignage de ce que j'ai dit aujourd'hui. Ésaïe 28, verset 11 jusqu'au verset 15. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots, fils de l'homme. Prononce une complainte sur le roi des Tyrs. Tu lui diras ainsi par le Seigneur l'Éternel. Tu mettais les sceaux à la perfection de Dieu. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais les sceaux. Il était l'empreinte de l'excellence, de la perfection, de la sainteté de son excellence. Pourquoi je vous ai dit son excellence créa l'excellence. Lucifer est un témoignage éloquent, puisqu'il mettait sceaux à la perfection de Dieu. Il était une photocopie de Dieu. Il était parfait. Pourquoi j'aime bien? Je reviendrai vers la fin de mon message. J'aime bien célébrer ce qu'il est. Comme les quatre êtres vivants. Puisque son excellence crée l'excellence. C'est Dieu qui l'a dit. Tu m'étais sot. Donc je t'avais calqué. Ça c'est en français. Le verbe calqué. J'étais calqué sur ce que je suis. Tu m'étais sot à la perfection. Alléluia et alléluia. J'étais calqué sur moi. Est-ce que vous comprenez ça, Église? Tu étais la photocopie du parfait. Ça, tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse. Parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, des choses excellentes. Ça, c'est pour ça. Des sardoines, des topazes, des diamants, des chrysolites, d'onyx, des jaspes, des saphirs, des scarboucles, d'émeraudes, d'or et d'or, des tambourins et les flûtes étaient à ton service préparés pour les jours où tu fis créer. Son excellence créa l'excellence, Lucifer, Lucifer.
Il ne me contredirait pas comme je vous l'ai dit, l'habitant de la terre. Il reconnaît qu'il était la photocopie conforme de son excellence. Et il savourait cela. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé, tu étais sur la sainte montagne. Tu marchais au milieu des pierres intercellentes. Tu étais intègre dans toutes tes voies. Depuis les jours où tu fus créé jusqu'à ce que l'iniquité a été trouvée chez toi. Il était excellent de l'excellence. C'est pourquoi j'ai dit que Lucifer ne me contredirait pas. Car il était le produit de l'excellence. Ça m'a fait grâce de les voir. Ce que je vous dis là, ce n'est pas de ce que vous raconte. Je n'ai jamais vu aussi une belle créature comme Lucifer. Jamais. Et j'ai vu. Et l'Esprit Saint qui m'avait donné cette révélation me dit amen. Il était parfait en beauté, mais noir. Qu'on appelle des bois noirs. Mais parfait. La seule chose qui était là, il était en colère contre Kinouba, en colère, il m'a menacé, mais quand même j'admirais sa beauté. C'est pourquoi je crois aux Écritures. Il sait que je l'ai vu selon les témoignages des Écritures, que c'est un astre brillant, fils de l'aurore. Et je crois que ce que je viens de lire corrobore mon sujet. Son excellence créa l'excellence. Il avait créé Lucifer. C'était une émanation de Monsieur l'excellence. Non simplement l'avait créé comme un être excellent, parfait, parfait, parfait. Mais il l'avait placé dans le parfait. Alléluia. Et il l'a placé dans l'excellence. Il était lui-même excellent. Et Dieu a créé son environnement excellent pour demeurer de l'excellence. Alléluia. Je plains les païens qui ne croient pas en Jésus. Vous ne serez pas dans l'excellence. Jésus l'avait dit aux brigands. Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Celui qui crée l'excellence. Et un environnement excellent. Je t'avais placé sur ma sainte montagne dans les jardins d'Éden, créé excellent et pour un habitant excellent. Oh, alléluia, je m'en vais. Lorsque j'aurai terminé, je viendrai vous prendre. Je vais vous préparer une place. Il est attelé à préparer là où nous serons. Quand nous sommes des créatures supérieures. Merveilleuse, comme disait David, je suis une créature submerveilleuse. Le Dieu qui avait créé Lucifer, un être merveilleux, excellent, meilleur. C'est le même Dieu qui a créé David, un être excellent, meilleur. C'est lui qui l'a dit dans les psaumes. Je suis une créature submerveilleuse. Alléluia. Et je crois que Lucifer savourait ce qu'il était, comme David savoure dans les psaumes. Je suis une créature submerveilleuse. Et vous savez que David n'est pas différent de Lucifer. Hein? Lui aussi, il est dans l'environnement des instruments, des tambourins et des flûtes. Et s'appelle comment? Astre brillant aussi. David s'appelle Astre brillant. C'est le devin. Balaam qui avait dit, je vois au loin un astre sortir de Jacob. Il sera maître des Dômes. Il sera maître des Philistins. Il sera maître de Moab, c'était un astre. Et Jésus porte les noms de son ancêtre, David, le rejeton de David. L'étoile, alléluia, brillante du matin, lui aussi était une créature. Je pense à ce Dieu que nous servons. Pourquoi vous ne voulez pas servir, vous servez des machins, machins, machins. Jusqu'à la fin de ma vie, je servirai les merveilleux. Et David était aussi Lucifer, un astre brillant. C'est Balaam qui a vu ça. Mais jusqu'aujourd'hui, si vous regardez les drapeaux des Juifs, il y a ce qu'on appelle les boucliers de David, son étoile. C'était une étoile sur le trône de David. Aujourd'hui, on n'a pas d'étoile. David était parfait, était excellent.
non pas médiocre comme Saül on l'a précipité. J'aimerais qu'on puisse précipiter tous ceux qui sont assis sur des trônes médiocres et produisant des médiocrités sur la terre dans leur pays. Qu'ils soient précipités. Oh, mais David est excellent. Vous allez voir, hein? Même quand Jésus allait naître, on a dit de lui de quoi? On lui donnera le trône de David son père. C'était un excellent. Hosanna au fils de David. Il dit, il est né selon la chair, Romains chapitre 1. Il est né selon la chair, fils de David. Mais il a été proclamé, alléluia, selon l'esprit de sainteté, fils de Dieu. C'est l'excellence que l'on célèbre par les quatre vivants, qui a ressuscité. Et la Bible dit, tu n'abandonneras pas ton saint. D'autres disent, oui, mais il y a l'autre qui dit, ton saint. La mort ne pouvait pas retenir son excellence, né de l'excellence. Tu ne permettras pas que ton saint voie la corruption. Elle est sortie. Et j'aimerais que le Seigneur puisse vous accorder, vous qui me suivez, j'y arriverai. La grâce d'excellence, j'y arriverai. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Jacques qui l'a dit. Toute grâce excellente et tout don parfait descend des pères de lumière. C'est un père de l'excellence. Alléluia. Descend. La source de Lucifer n'est pas morte, n'a pas tari. La source de David n'est pas morte, n'a pas tari. Il peut encore et encore et encore créer ses excellences. J'ai plein souvent certaines personnalités qu'on appelle honorables, excellences. Mais quand on voit les choses qu'ils font, c'est horrible. C'est horrible. Honte à vous qu'on appelle excellence et honorable. Honte à vous. Quand nous vous observons, quand la population vous observe, honte à vous. Même votre conscience vous dit honte à vous. Tandis les quatre êtres vivants qui observent celui qui est sur le trône, il les proclame avec raison. Saint, Saint, Saint l'Éternel, Dieu des armées. Ça ne suffit pas d'avoir l'étiquette honorable, excellence. Honte à vous. Même votre conscience vous dit honte à vous. Vous faites des choses abominables. Mais c'est son excellence. Il crée l'excellence. Il est apprécié par ce qui l'entoure, par ce qu'il observe. Et il proclame cela. Et je crois que tous les gens disent Amen, Amen, Amen. Tel était Lucifer. J'aimerais lire avec vous mon texte de base. Son excellence créa l'excellence. Genèse chapitre 1, le verset 31. Dieu vit que tout ce qu'il avait fait, voici, cela était très bon, excellent. Tout ce qu'il a fait, tout, alléluia. Tout était très... Ce n'était pas que l'homme qui était très bon, ce n'était pas que la femme qui était très bonne. Ce n'était pas... Mais tout ce qui... C'est extraordinaire. Dieu vit que tout ce qu'il avait fait était très bon. Et c'est Dieu qui évalue son œuvre. Et ce n'est pas les psalmistes dans son chapitre 111 qui dirait le contraire. C'est pourquoi mon message est fondamental. Psaume 111, verset 3. Son œuvre n'est que splendeur et magnificence, et sa justice subsiste à jamais. Sonne. Alléluia. Ici, le psalmiste était à l'école de celui qui avait dit, Dieu vit que tout ce qu'il avait fait était très bon. Wonderful. C'était merveilleux, magnifique. Et il faut célébrer son excellence, comme le psaume chapitre 8. Et verset 2, l'Éternel notre Seigneur, que ton nom, alléluia, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ça, c'est pour ça. Que ton nom, que ta personne, ce psaume ici, que ta personne est magnifique. Et son œuvre, ce n'est que splendeur et magnificence. Son excellence créa l'excellence. Alléluia. Et regardez, ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Quand je contemple le ciel, ouvrage de tes mains, la lune, les étoiles que tu as créées,
Qu'est-ce que serait l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Tu l'as couronné. Alléluia. De gloire et de magnificence. Adam était magnifique. Puisqu'Adam était l'œuvre de son excellence. Il était couronné de magnificence. Recevez des couronnes de magnificence vivante là où vous êtes dans les nations. Soyez les magnifiques. Et les versets, tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Les brebis comme le bœuf, les animaux des champs, les oiseaux du ciel, les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Il est magnifique. Et son œuvre est magnifique. Pourquoi mon sujet, c'est son excellence. Créa l'excellence. J'aime bien la déclaration de l'apôtre Paul dans son épître aux Romains au chapitre 1, le verset 20. Écoutez aussi ce que lui aussi dit au sujet de l'excellence qui créa l'excellence. Romains chapitre 1, verset 20. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité, se voient comme à l'œil depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, alléluia, son excellence créa l'excellence. Ses perfections invisibles ont été coulées dans sa création. Alléluia, et alléluia, alléluia, et alléluia, alléluia. Et ces perfections invisibles, ses voix, allez, quand on les considère dans ses ouvrages, il est excellent par sa nature, mais également par son ouvrage. Ça se voit à l'œil quand on les considère dans ses ouvrages. Dieu s'est coulé dans son ouvrage. C'est pourquoi je pense à la parole de Jésus. Et il dit, si Dieu révèle l'herbe des champs, la fleur de lys, d'une gloire supérieure à celle de Salomon, ne vous vêtira-t-il pas, Jean de peu de... Il a mis, imaginez, qu'il ait mis ce qu'il est, ce qu'il avait mis dans Lucifer, il a mis ça aussi dans quoi? Dans la fleur de lys, oh là là, ah ouais, il a mis ça dans Salomon, d'une gloire supérieure à Salomon. Il était parfait en beauté, Lucifer, de la beauté de son excellence. Mais il a coulé ça aussi dans la fleur de lys. Et quand vous contemplez le ciel, son firmament, ses étoiles, ses lignes, vous contemplez tout ce que vous voyez ici, les nuages, ainsi de suite. Mais c'est agréable à voir. Si vous êtes assis au bord de la mer et que vous voyez le coucher du soleil, je pense à celui qui a composé « Reste avec nous, Seigneur, je vous décline ». Il était assis au bord de la mer. Reste avec nous, Seigneur, le jour décline, la nuit s'approche, nous menace tout, nous implorons ta présence divine. Reste avec nous, Seigneur, reste avec nous. Alléluia. Il était assis au bord de la mer et le soleil s'est couché. Il a eu cette inspiration. Reste avec nous. Reste avec nous. Reste avec nous. C'est la prière des deux disciples d'Emmaüs. C'est beau, c'est beau, c'est beau. L'excellence créa l'excellence. Dieu vit que tout était très bon. Je viens de vous lire le texte de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul dit que son excellence avait photocopié pour mettre cela dans ses ouvrages. Il dit, ça provient de ses perfections invisibles. Je pense, on ne va pas lire ça, dans Genèse chapitre 2, verset 8 à 15. Dieu ne déroge pas à la règle. Il crée Adam excellent et les place dans l'excellence. Comme Lucifer avait été placé
dans le jardin de Nes, la montagne sainte, lui aussi est placé. Adam, Dieu planta un jardin en Éden où il y avait les arbres agréables à voir et à manger. Quelle excellence! Quelle excellence! Son excellence s'est plantée. Des arbres agréables à manger et à voir. Lui aussi y avait des pierres précieuses. C'est pourquoi j'ai voulu proclamer son excellence. Afin que vous soyez jouisseurs de ce qu'il est. J'aimerais que vous puissiez jouir. Et il avait planté, il avait placé. J'aimerais, je pense à la conclusion. La conclusion du pasteur Jacques, de la plus grosse église de Jérusalem à l'époque de l'église primitive, les petits frères de Jésus, qui s'appelaient serviteurs de Dieu. Écoutez sa conclusion en cette matière. Écoutez dans Jacques, chapitre 1. Écoutez sa conclusion, verset 16 jusqu'au verset 18. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute est grâce excellente. Ça, c'est fort, hein? C'est fort, hein? Toute est grâce excellente, tout don parfait descend d'en haut, du pied du Père des lumières. Alléluia. Chez lesquels il n'y a ni changement ni ombre de variation. J'aimerais que l'excellence puisse descendre là où vous êtes. Je ne sais pas où vous êtes. Soyez baptisés dans la grâce d'excellente. C'est Jacques qui le dit. Toute grâce excellente, tout alors, et tout ton parfait descende d'en haut, non pas des anges, mais du Père des lumières. J'aime bien la traduction, je crois que ça doit être parole vivante. Il dit, le Père créateur de tout ce qui est luminé. Soyez des lumineux. Nous répandons du Père. Our Father. Vous attendez que du Père de lumière, le Père quotidien, ça c'est pour vous les petits. Mais pour nous les grands, nous attendons de lui des grâces excellentes et des dons parfaits. Our Father. Le Père de lumière. J'aime bien cette conclusion de Jacques. C'est fort. Toutes les grâces excellentes et tout don parfait descend d'en haut, du Père des lumières, chez lesquels il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de la vérité, en fait que nous soyons en quelque sorte le prémisse de ses créatures. Son excellence créa l'excellence. Il est le Père géniteur de tout ce qui est excellent, délicieux. Dans les psaumes où il est dit, un bel héritage m'est échu. Vous pouvez hériter de lui ce qui est délicieux, ce qui est excellent. Si l'année 2023 vous étiez médiocre, j'aimerais qu'au nom du Père des Lumières vous soyez excellent. Non pas par des efforts, mais par la grâce. Alléluia. Vous savez que ce que Jacques dit ici dans son épître, l'auteur de l'épître aux Hébreux aussi le dit à sa manière pour ce qui concerne Jésus. Chapitre 1, Hébreux, verset 1, jusqu'au verset 4. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par des prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lesquelles il a aussi créé le monde. Ça c'est fort. Le Christ est plus que le Christ. Et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, l'excellence avait photocopié l'excellence. C'est ça Jésus. C'est qu'on dit bien, il est l'image du Dieu invisible. J'aime bien ce qu'il est dit de lui ici. Qui étant le reflet de sa gloire, l'empreinte de sa personne, soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très célestes, dans les lieux très hauts. Devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Alléluia. Jésus, il a un nom plus excellent que celui des anges. Ils ont aussi des noms excellents. Je pense à l'ange qui avait été à la base de la naissance
de Samson. On lui a posé la question, quel est ton nom? Il dit, mon nom est merveilleux. Alléluia. Mon nom est merveilleux. Mais Jésus est plus excellent que cet ange-là. C'est ce qu'il dit ici. Il a hérité un nom plus supérieur qu'à celui, plus excellent qu'à celui des anges. Jésus, alléluia. Il est plus excellent que Michael. Il est plus excellent que Gabriel. Il est plus excellent que les quatre. Il est. C'est pourquoi j'ai dit que son excellence créa l'excellence. Il avait donné à Jésus un nom excellent. Et le nom qu'il lui a donné, c'était un nom qui terrorise les démons. Recevez les noms excellents, non pas pour vous enorgueillir, mais pour terroriser les démons. C'est pourquoi les 70 disciples qui étaient envoyés dans les villes, ils avaient terrorisé les démons. Et tous les démons nous sont soumis. J'ai ajouté, je voyais Satan tomber comme un éclair. Lui-même, Lucifer est tombé. Il est tombé devant Satan. Comment vous êtes qu'il a un nom plus excellent qui met mal à l'aise Lucifer lui-même et tous les démons. Alléluia. Alléluia. Il a hérité. Dis à mon nom, Seigneur, tous les démons nous sont soumis à ton nom. Et Jésus d'ajouter, même Lucifer. Pourquoi petit, vous avez oublié de mentionner Lucifer? La fois prochaine, n'oubliez pas de le mentionner. Lui aussi est tombé. Je l'ai vu tomber. Alléluia. Alléluia. Mais vous savez, ce qui est intéressant, le temps vient de nous filer, mais laisse-moi quand même lire ce texte. Ça va vous aider. Dans Luc chapitre 10, non simplement son nom avait fait tomber Lucifer. 10, 17 à 18, les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Lucifer est tombé. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance, sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Et Jésus ajoute quelque chose de très intéressant. Cependant, ne vous réjouissez pas parce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les... Vous savez, alléluia, son excellence qui avait hérité un nom plus excellent que celui des anges, il a aussi donné des noms excellents. Vos noms, recevez cela, pasteur. Recevez cela. Les gens disent, mais qui l'a exagéré? Je dis, non, je n'exagère pas. Non simplement, lui a un nom plus excellent qui terrorise les démons, qui fait tomber Lucifer. Mais il donne de recevoir les dons de nos excellents. Il ne vous réjouissez pas simplement puisque les démons vous sont soumis. Mais j'ai vous une révélation. Réjouissez-vous. Puisque vos noms, moi je connais vos noms. Toute grâce excellente, tout don parfait, descend des pères de lumière. Vous savez pourquoi Jésus a dit leur nom? Il savait. Puisqu'il avait dit avant, tout disciple accompli sera comme son maître. C'est pourquoi prenez-nous au sérieux avec mon équipe quand nous vous enseignons parmi les nations. Chaque mercredi, nous vous communiquons les noms que votre Père Céleste a pour vous dans son amour. Plus excellent, plus excellent, plus excellent. C'est ce que Jésus. Bon, c'est moi un peu terminé ce message en lisant peut-être un dernier texte. Actes des Apôtres, chapitre 19, verset 11 jusqu'au verset 15. Je termine en vous disant ceci. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait les malades sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, pas le corps de Jésus, mais le corps de Paul. Et les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. 13. Quelques exorcistes juifs en bilan essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins les noms du Seigneur Jésus en disant, je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Ce qui faisait cela était cette fille de Séva, juive,
L'un des principaux sacrificateurs, l'esprit malin, lui répondit, « Je connais Jésus, pas seulement Dieu, je sais qui est Paul. Vous, mais vous, qui êtes-vous ?» Ces deux messieurs avaient des noms excellents. Et Paul et son disciple, non, et Jésus et son disciple Paul, comme les 70 disciples. Le démon n'a pas dit, « Je connais Jésus seulement. » Il a dit, « Je connais Jésus et je connais qui est Paul. » Il a un nom excellent que son patron. Que Dieu vous aide à ce que vous puissiez être ces excellences, non pas les médiocres qui sont en train d'organiser des bons sommeils aux démons. Nous avons besoin des excellences qui ne donnent pas du sommeil aux démons. Voilà ce dont on a besoin dans l'église. Jésus traverse le lac de Tibériade et de l'autre côté. Et les démons ont dit, tu viens nous tourmenter avant le temps. Nous te connaissons, fils de Dieu. Il avait un nom, comme ce nom de son est magnifique. J'aimerais que le Seigneur vous aide, où vous êtes, à recevoir des noms. Vos noms sont écrits dans le ciel. J'aimerais que vous soyez des êtres excellents. Et de cette excellence, vous allez faire les jobs. Laissez-moi vous dire en terminant, en parlant de Jésus. Puisque Jésus était excellent de son excellence, le premier miracle qu'il avait opéré, c'était le miracle d'excellence qui a gardé ses meilleurs vins, qui a gardé cet excellent vin, qui a gardé ses bons vins. Mais c'est Jésus, puisque c'était l'excellence de son excellence. Et il a créé le premier miracle. La Bible dit quoi? Il manifesta sa gloire, ce qu'il était. Les bons vins, les bons, comment vous aider? Les bons vins émanaient de l'excellence. Jésus, il sait encore et encore et encore dans votre vie, mon frère, ma soeur, créer des choses excellentes, spirituelles, physiques, matérielles, financières, sociales. Il sait les créer. Jésus, c'est sa gloire. Il manifesta sa gloire. Il crée de meilleures choses, des choses excellentes. C'était le premier miracle. Et dit manifestant ainsi sa gloire. Et ses disciples crient en lui. Que Dieu manifeste la gloire qui est en Jésus. Ou l'excellence qui est en Jésus. Par ce qui est meilleur, par ce qui est bon, qui a gardé, recevez le meilleur. Oh, alléluia. Je pense à Paul qui a dit quoi? Christ en vous, espérance de la gloire, espérance de ce qui est meilleur, de ce qui est excellent. Ayez la vision de ce qui est excellent par le Christ. C'est sa personne. Je pense encore à Paul. Dit tous ceux qui sont en Christ sont des nouvelles créatures. Les choses médiocres sont passées et toutes choses deviennent meilleures, 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 meilleures. Amen. Amen. Au nom de son excellence, le Christ. Amen. Merci de nous avoir suivis. Faisons une large diffusion de la foi dans le monde au travers.